Hello, hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se faire un petit plan blues. Vous savez qu'en ce moment je vous fais pas mal de petits plans blues que je trouve sympas. Hein, voilà, même si je suis pas un spécialiste du blues, comme par exemple Florent Passamonti, dont j'adore la chaîne, franchement. Et d'ailleurs j'adore le gars qui est que j'ai reçu dans le podcast Culture Guitare, qui est vraiment un mec ultra cultivé. Enfin bon bref, moi j'aime beaucoup ce créateur de contenu, ce guitariste aussi qui joue tellement bien. Donc aujourd'hui, on va voir un petit plan avec ce que je vous disais, avec des bends. En fait, on garde la même note et on fait plusieurs bends avec cette même note. Donc je vais vous montrer ça. J'en avais un peu parlé dans une autre vidéo il y a quelques temps. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, la tablature, elle est là dans le Junino Club avec plus de 200 tablatures et les vidéos hébergées, donc de toutes les vidéos gratuites sur YouTube. Donc il n'y a plus de pub. En fait, vous arrivez dans votre espace, vous mettez les claquettes, les pantoufles et après, vous êtes tranquille, vous pouvez naviguer comme ça. C'est hyper bien fait. Et vous trouverez donc toutes ces tablatures. Vous trouverez aussi 2 heures de formation gratuite, d'une formation qui s'appelle l'improvisation pour tous. Et vous trouverez aussi des tablatures de backing track que je publie sur mon autre chaîne, d'accord? Avec même des playbacks sans guitare de ces backing tracks. C'est un truc de fou. Donc, et dans la description, vous trouverez ma suggestion lecture avec tous les livres de musique que je recommande, ainsi que les livres que je trouve inspirants, en tout cas des livres, certains livres qui ont changé ma vie littéralement, sans déconner. Donc, je vais vous jouer ce truc-là de suite, ce plan. En fait, il est très dur à faire. Pour la justesse, c'est un enfer. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire ça, cette mélodie. Mais avec des bends. Donc on est sur la gamme pentatonique de la mineure. Ok? Mais voilà, et on va jouer avec la blue note. Donc là, on monte fondamentale, tierce mineure, quinte juste, et là on fait la blue note. On garde le bend, on monte un peu pour avoir le ton. Là, j'ai fait. C'est hyper dur, surtout de revenir en fait. Donc là, si vous voulez, moi je pense que le contrôle de la hauteur du bend il se trouve ici. Alors, je ne suis pas un ostéopathe et encore moins un kinésithérapeute. Enfin, je ne connais pas du tout le corps humain, moi j'y connais rien du tout. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, par exemple, la maîtrise de la justesse, elle se trouve. Enfin, de laisser, parce que je trouve que c'est hyper dur comme plan. Il se trouve dans ce secteur, je sais pas pourquoi. Dur quoi. Donc là, quand on redescend. Travailler là-dessus quoi, d'accord? Sur cette descente, d'accord? Alors vous pouvez vous entraîner à monter. Alors comment je ferais si je devais si, quand, parce que je vais le travailler en fait. Je fais la vidéo parce que il faut que je travaille ce plan. Mais regardez. D'accord? Ah là là, caca.
Donc voilà pour ce plan que je trouve sympa, qui complète un peu les plans qu'on a vus, tous ces plans avec les demi-tons. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs à faire après à placer dans un. Voilà, ce qui peut vraiment être cool, quoi, d'accord? Les gars, j'espère que ça vous a intéressé ce petit sujet, et puis je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye, ciao!